Attention. Ah. Autre décision qui s'est révélée quand même intéressante de la part de Yost et qui a été payante. Ouais, aujourd'hui, là, les décisions des Royals ont été extrêmement payantes. Et évidemment, à l'inverse, ça a été pas mal plus difficile du côté des Mets. Autre fausse balle. Les joueurs des Royals sont sur le... Accompagné avec Angus sur YouTube. Ça fait beaucoup de tirs pour Davis, mais Marc, ça prend 30 tirs. C'est Davis qui va être là quand même. Comme je vous l'ai dit, je suis un fan de Yordano Ventura, mais Royal. Eh oui! Sur décision, et les Royals qui ont perdu l'an dernier en 5 matchs face aux Giants de San Francisco revient cette fois-ci de l'emporter en 5 matchs face aux Mets de New York. Je suis content. Allez, moi, je m'étonne jamais de voir des athlètes célébrer de la sorte. Je trouve que c'est un moment tout à fait magique. Alors, les Royal Champions. Chapeau à l'organisation, Marc. Peu s'attendaient à ce que les Royals soient même un facteur dans la section centrale. Alors, bye-bye. Ça va être sur YouTube, là, là. Désolé pour la réaction parce que mes parents dorment. Tout le monde dort, fait que je crie pas de joie. Bye bye.